Yahoo Dimancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation de 2 tomes 1 spécial Yuri. Donc, si la suite t'intéresse, continue. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler du tome 1 de Citrus, la saison 1, tout simplement parce que je ne l'avais pas encore lu, vu que j'attendais forcément que la série se termine. Et on va voir le tome 1 de Netsuzu Trap. Pour ce qui est du manga Ota, finalement je ne le lirai pas car tout simplement j'ai pas accroché dès les 20-30 premières pages. Donc comme si j'avais fait un extrait manga j'achète ou pas, au final je n'ai pas du tout accroché. Donc je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Donc je vais te mettre toutes les informations à chaque fois à côté de moi, nombre de tomes, etc. et tous les détails. En ce qui concerne donc le manga Citrus, donc qui m'intéressait dès le départ, hein, faut pas croire. Mais en fait, ben, j'attendais tout simplement que la série se terminait. Comme tu sais, je n'aime pas lire une série tant qu'elle n'est pas terminée. Et c'est ce qui s'est passé. Après, j'ai juste laissé un petit peu traîner parce que j'ai pas eu le temps. Voilà, c'était pas forcément ma priorité maximale. Pour ce qui est du manga Citrus, on suit les aventures de deux fausses sœurs, tout simplement parce que ce sont des sœurs de remariage. Et en fait, la blonde va choper la petite brune en train d'embrasser un prof. Et pour la faire taire au départ, le soir même, elle va lui sauter dessus, l'embrasser pour juste lui faire fermer sa bouche. Puis en fait, va se créer une relation entre ces deux jeunes filles. On va avoir le fait que du coup, leur grand-père, du coup, mais officiellement c'est son grand-père à elle, et le directeur de l'école où elles sont. Et donc forcément, il y a certaines choses qu'elle peut faire, qu'elle ne peut pas faire. On l'a donc mis en couple avec ce prof, tout simplement, tu sais, les mariages arrangés, etc. Donc c'est l'aventure qui se passe dans ce manga. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait, on suit une qui fait ce qu'on lui dit et qui a été habituée à obéir. Et une deuxième qui est un petit peu du genre rebelle. Et donc ça, c'est très agréable. Donc il faut savoir qu'en ce qui concerne le manga en soi, les scènes en soi sont du déjà vu, du déjà réchauffé, mais version shoujo. Donc le fait de le voir version Yuri passe beaucoup mieux et vachement plus intéressant. Ce que je sais, c'est que si je dis pas de bêtises, c'est que Citrus maintenant est disponible en anime et que NTR aussi. Parce qu'on a la petite pub à la fin du manga, j'ai vu ça ce matin en lisant. Hop, voilà. Il y a aussi donc du coup NTR qui est disponible sur Crunchyroll. Pour ce qui est de la deuxième histoire, donc elle s'appelle officiellement Netsuzu Trap, mais c'est aussi marqué NTR. Donc c'est pour ça que j'appelle ça comme ça. Pour ce qui est de cette série, en fait, on suit les aventures de deux meilleures amies d'enfance. Donc elles sont meilleures amies, elles habitent à côté, elles sont dans le même en fait immeuble. Et donc en fait leur balcon de leur chambre de filles est côte à côte. Et en fait, on va voir dès le départ qu'elles sont dans un karaoké et qu'elles ont toutes les deux un amoureux. Chose aussi que l'on voit en fait sur l'image à l'arrière de la jaquette. Voilà, si on regarde bien, voilà, elles ont toutes les deux un chéri, mais elles se tiennent la main. C'est la même image qu'on a aussi en zoom quand on enlève la jaquette. Tu vois, hop, clac, voilà. L'autre, je ne l'ai pas montré parce que j'y avais pas vraiment d'intérêt d'en parler, mais là, je trouvais ça intéressant. Ce qui se passe, c'est que dès le début, la petite brune va taquiner la... Alors là on voit pas vraiment, mais en fait dans l'anime on voit qu'elle a les cheveux roses. L'une va taquiner l'autre, va d'abord lui faire son premier kiss, va lui faire son premier kiss avec la langue, va essayer de lui faire les... Tout au long en fait du volume, la brune vole la première fois de l'autre pour tout. Le kiss avec la langue, les préliminaires, etc., etc. Et c'est ça en fait que j'ai vraiment apprécié. Parce qu'on était donc du coup une fois de plus sur une relation, et ça j'adore énormément déjà dans les shoujo, de deux meilleures amies d'enfance qui finissent ensemble. Et là en fait c'est avec deux filles. Et c'est surtout le côté jalousie de la petite brune qui m'a vraiment plu, ce côté justement... Je laisserai pas en fait un mec prendre tes premières fois, c'est à moi de les prendre. Et donc elle lui fait croire que c'est juste pour l'entraîner, pour l'habituer, etc. Et au final, on découvre très clairement que ben non, c'est pas juste la meilleure amie qui le fait pour la protéger, etc. Mais bien qu'il y a quelque chose en fait au niveau de leur relation. Et c'est ça qui est plutôt intéressant. Donc pendant tout le volume, elles sont en couple quand même avec leurs copains respectifs. Mais voilà, et est-ce qu'elles vont se faire choper ou pas, ça c'est vraiment le truc le plus intéressant, le plus, je trouve, sympa à savoir. C'est justement se dire à chaque fois, mais elles vont se faire choper. Il y a tellement de fois où elles ont failli se faire choper que c'est ça aussi que j'ai su énormément apprécier. Voilà.
Thank you.